Contre l'antidopage, docteur Laprune. Nous commençons par la tomate Henri. Henri, du Clos Benoni. Du Clos Benoni. Très bien, pour le préciser. Clos Benoni. Oh, Norbert. J'ai un doute. 88 grammes. J'ai un doute. Norbert, si. Si, Norbert. Il a douté de 20 grammes. 20 grammes, Norbert. Nous avons ensuite Claudine. Ah, celle-là va penser, j'ai l'impression. 40 grammes. Impeccable. Hervé, Clos Benoni. Clos Benoni aussi. 46 grammes. Ça ne pas casser les mecs, je te jure, j'ai un peu honte. Clos Benoni. Michel, Clos Benoni. 90 grammes. On va même pas le dire, c'est le Clos Benoni parce que là. Ça se voit. On va commander une cabane pour le plutôt que de commander une cabane de jardin. Pierrot, Clos Benoni. Le détecteur ne marche même plus. Mais je crains le pire. C'était pas la plus petite, hein. Même le nom est tout petit. Lauriane. Mais là, je peux pas. Là. C'est pareil. Hein. Ouais, on va dire un gramme. Parce que nous avons le jardin des enfants. Bon. Marilyn. Alors ça c'est 458 grammes. 50 grammes de pénalité. Ça. Non mais c'est pour mettre de l'engrais. Louisette, le Gilles, docteur Laprune. Fais-moi sonner la cloche. Là. 535 grammes. Oh là, donc, 80 grammes de pénalité. José, Gilieu. Vous avez pas de Oh là là. 780 grammes. Vous mettrez 200 grammes de pénalité. C'est pourtant vrai. Ensuite, nous avons Guy Bougeois. Guy Bougeois. Gilieu. 545 grammes. 110 grammes de pénalité. C'est comme ça vient. Ça, c'est la mienne. Il en a mis trop parce qu'elle est toute flétrie. Il a dû la piquer par en dessous. Hein. Alors, ensuite, nous avons Michel Gilieu. 515 grammes. 40 grammes de pénalité. Alors, résultat des courses, qui avons-nous en tête? Gilieu, une deuxième du Gilieu, une troisième du Clos Benoni. Bon, il y a 200 grammes d'écart, on considère donc qu'il y a égalité. Entre le Clos Benoni et le Gilieu, pour départager, nous avons demandé à Henri d'apporter une tomate. C'est énorme. 3,4 kg. C'est donc ta tomate, je trouve. On va l'appeler comme ça. C'est bon. Ou Viagra, je crois que. Donc heureusement que t'es là, Henri, ça rattrape un peu le truc. Hein. Pour être plus sérieux, donc le premier, c'est Jean-Claude Chalard. Bravo. Bravo. La première année, nous avons organisé le petit concours uniquement entre les jardiniers du Clos Benoni. Donc on était à l'époque 8 ou 9 jardiniers. Et on était installés sur la petite table dans le jardin des enfants. C'était uniquement un apéritif. Et ensuite, il est venu de se dire, tiens, on pourrait peut-être demander à quelques jardiniers du Gilieu de venir nous rejoindre pour faire quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Et donc après, bon, bah, évidemment, on est vite monté à 30 et quelques personnes. Alors on a demandé à la mairie de nous prêter un barnum, des tables, et puis... chacun amène un petit peu ce qu'il veut. On le fait de nos ratatouilles, on met des chipots, chacun met des tartes salées, sucrées, l'apéritif. On fait quelque chose de convivial entre le Clos Benoni et quelques jardiniers du Gilieu. Voilà.